Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Pense bien, faut déjà se planquer. Bon, on était parti pour aller voir dans cette grotte là-bas là. Il a l'air d'être bloqué. On va en profiter pour se barrer par là, là tranquille. Se faire la petite grotte. Sur l'île, je crois qu'il y a un plongeon le plus profond. On dit qu'il y en a un à la côte. Si tu réussis à plonger, tu pourras mettre la main sur moi. J'ai pas tout compris là. Quelle idée de venir la nuit. Juste reprendre son souffle, ça. Ok, bah, c'est parti alors. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Τι έχεις αν λυπήν περί ευθύνης, ο γιος μου βαρέα τραύματα θέλει. Δε φόβητε με ξέλθει και λάχι συναντήσαν πάλι τούτης. Πού πέτρα, σε δύο Direct, on a un intrus. Moi qui m'a grillé direct, lui. Sur l'autre à côté est complètement sourd.
trouvé. Impeccable. Ok. Ah, Epicalum. Oh. Cassandra, tu es revenue parler du javelot ? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé ? Tu as parlé d'une récompense. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Juste de la thune, quoi. Alors, il restait celle en bas, là, ouais. Et après, c'est... Ça, c'est que des niveaux 5. Celle-là. Niveau 5 aussi. Bon. Alors, puisqu'on parle de niveau 5. Pas mal cette tenue là. Ah, c'est celle qui était offerte avec le Game Pass. Ok. Ouais, c'est le truc qui avait écrit. Les plongeons les plus profonds m'ont dit qu'un lac de la côte de Koliadaï n'a pas de fond. Si tu réussis à plonger jusqu'à la dame de marbre, tu pourras mettre la main sur moi. Ah, ça, c'est des trucs... oui, je me souviens qu'il y avait des trucs comme ça. Une espèce de carte au trésor, en gros, quoi. Bon, ça, je regarderai ça plus tard. Et du coup, aptitude... qu'est-ce qu'on avait déjà ? Ah oui, on a le rush, là. Ah, ça inflige 250% de dégâts de guerrier. Ah ouais, quand même, c'est vénère. Ça, c'était quoi ? Ah oui, diriger ta flèche. Ça, ça peut être pas mal aussi. Les trois trucs sont bien, en vrai. Mais je me prendrais peut-être plus ça pour avoir un peu plus de... sont alimentés par l'adrénaline qui s'accumule notamment en portant des coups, en esquivant et en parant des attaques ennemies.
Et un segment de l'année dépensé doit être accumulé de nouveau. Ok. On va le mettre sur X. Ok. Là, je les vois pas. Mais les trucs de l'année. Ah oui. Faut que je les affiche. Sinon, je saurais pas quand est-ce que je peux le faire ou pas. Ça va être chiant. Alors, budget, commande, célébration, ouais. Ah, y a pas de... Attends, c'est quoi ce bordel? C'est celui-là peut-être? Ouais, c'est celui-là. Ah ouais, mais ça me met tout le truc à gauche quoi. Les galeros là. Ah bah tant pis, hein. Si ça marche pas, c'est que j'aurai plus d'adrénaline. On va faire comme ça. Je vais essayer de me caler. Ah ouais, non, parce que. Quand l'interface elle est trop surchargée, hein, ça me coupe mon plaisir. Hein. Ok, donc on disait, on va aller faire celle-là. Ok. T'as qu'à monter dans ce cas-là. Ah, Mistios, il faut que tu m'aides. Vraiment? Tu as envie de remplir ta bourse? Accorde-moi un instant. Je t'écoute. Je suis un exilé d'Athènes, même si mon apparence n'en est qu'un piètre témoignage. Ton argent est un chant de sirène pour tous les brigands de Kefalonia. Tu ne le garderas pas longtemps. Mes drachmes n'iront nulle part. En dehors d'une portion que tu toucheras si tu acceptes ce que je te propose. Quel est ton souci? C'est mon frère, Ornéos. Il a été enlevé par des brigands. Ils nous ont attaqués quand nous avons débarqué. Ils ont dû sentir notre richesse de loin. J'ai pu m'enfuir. Mais il est enfermé dans une cage, comme une bête, sur le quai. Et tu veux que j'aille le libérer? Ramène-le-moi indemne, et je saurai te récompenser. Mm-hmm. Je vais libérer ton frère, contre de l'argent. Oui, oui, bien sûr. La drachme est la seule langue que vous compreniez, vous les Kefaloniens. Je ne suis pas de Kefalonia. Méfie-toi, petit bonhomme. Pour y t'arriver, les bricoles. Tu n'as rien à faire ici. Je vais te faire. Ah ouais, comme ça, c'est la bagarre. Ah!
temps de mourir pour toi. Ok. Laissez-moi sortir. Je ne suis pas un animal. Ah merde, je loupe mon contre. J'étais quand je pense qu'ils ont posé leurs mains crasseuses sur moi. Et toi, tiens, une drape pour te remercier. Tu aurais pu arriver plus tôt. C'est ton frère qui m'envoie. Je savais qu'il me libérerait. Et il n'a pas tardé à se trouver. Sache une chose, c'est moi qui t'ai libéré. Et si ton frère n'avait pas d'argent, je te jetterais volontiers au cochon. Maintenant, partons. Reste près de moi et tais-toi. Oh, comme il m'a boulé, quoi. Oh, il l'a tué, le bâtard. Je peux pas monter à l'échelle ? Oh, t'es sérieux ? Désolée d'avoir à te dire ça, mais ton frère a été tué. Tué ? Disparais avant que j'engage ces bandits pour qu'ils te tranchent la gorge ! J'aimerais bien te voir essayer. On donnait de l'élan, moi. Rejoins ton frère. Bon, bah c'était un échec. tant pis. Du coup, là, il n'y a plus rien sur l'île d'autre que j'ai trouvé. Ça c'est là. Ok. Je peux pas me déplacer rapidement. Je
suis pas en conflit. D'accord. Eh ben allons-y à pied, là. Doucement. Allez. Il y a peut-être quelque chose qui est apparu ici là depuis. Eh ben non. On y va. Je suis en train de tester les boutons. Il n'y a pas moyen de le faire speeder, mais. Oh yeah! C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas, nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Avance. Allez. On peut plus s'éloigner de plus de 250 mètres de l'embuscade. Un groupe important est parti vers l'ouest du dépôt de bois. C'est rien, moi, ce qu'il faut faire là. Des
tir dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Moi qui sais stopper net le bouc. Attaquer l'autre là ou quoi? Ah non, j'ai cru. Ouais, bon, du coup, je vois pas là ce que je dois faire. Là. Le campement de bandits que je cherche. Ah voilà. J'avais déjà oublié l'aigle. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Pas plus prudent d'aller voir. J'aurais juré que ça venait d'ici. Ça c'est fait. Bigle sur 20. Voilà. Ça c'est fait. Vas-y. Oh le long, quoi, super. Qui m'a agressé, quoi. Chargé, je me suis empoisonné. J'ai même pas vu venir. Je crois que les nombres parlent d'eux-mêmes. Tu
je me fais agresser, je vois même pas les mecs, quoi. Ah ouais, je me suis enfui. Carrément, on en est là. Pourquoi tu t'enfuis ? Il m'aide le nom. Ah ouais, il m'aide. Ça. Merde, les piles. Il serait mieux de rapporter du bois comme preuve. Et cette vieille folle. Je savais pas où était mon curseur pour viser le loup. Le bordel. Ok. Bon, du coup, je sais pas s'il y avait des trucs à looter sur des mecs. Hein, mais... Ok. Des loups tous les 3 mètres, quoi. Pas faire que ça non plus. Hein. Oh, voilà la mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois devrait bientôt arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'une mercenaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. T'inquiète, c'était prévu déjà. Non, par contre, je pensais qu'elle aurait peut-être boosté l'arc ou... Que...
Et donc là... Bon, il était niveau 5 de toute façon, ouais, donc c'est bon, là on peut lui péter sa gueule. Alors attends, par contre, il est où là? Elle arrive au sud. Ouais, ça en bat les couilles, d'accord. Tu fais une grosse attaque chargée, ça en bat les couilles. Faire que des contres quoi. Guerrière, guerrier, la reine de FK et la plus disputée du monde grec, dernier héros de la reine en vie. Je cherche les meilleurs combattants, souhaitant s'affronter pour l'honneur, le plaisir et l'argent. Ta réputation te précède. Peu de combattants ont tué de manière aussi prolifique. Putain, c'est horrible. Ah non, mais laissez-moi tranquille, j'essaie de lire mon truc là. Ah, le bordel. Si prolifique et plus poétique que toi, si l'offre t'intéresse, viens me voir à la pointe des pirates. Tu aurais dû refuser mon associé. Allez. Perds ma vie. Repos, ok. Donc, du coup, si j'ai bien suivi, ça veut dire que ici. Ah! Ça peut être aussi dans le dans les objets de quête. Ok. Ouais, je sais pas si ça peut me le, si ça me le marque sur le, la map ou pas. Ok. Ah c'est ça. Ah oui, ok. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Bon bah ok. Alors, trouver et récupérer le voile de Pénélope.
Les voleurs sont toujours près de Kefalonia. Ils sont dans la partie sud de l'île d'Ithac. Donc oui, c'est vers là, là. Ok. Hop. Ils occupent le palais d'Ulysse. Eh ben, allons voir ça. D'où je suis. Est-ce que ça vaut le coup de se TP? Pas sûr. Hein. En vrai. On y va maintenant. En route pour la maison d'Ulysse dans un petit bateau. Maintenir pour les plus vite. C'est pas le moment d'agacer Poséidon. Je dois me montrer prudent par ici. Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Mais t'es un peu coconne, hein? Le voile de la légende? Elpenor n'a pas menti. Ça devait être un animal, ça.
Ok. Faut le clean l'endroit, j'imagine, de toute façon. On n'est pas obligé de tuer les gens pour faire le truc. Ils ont laissé l'opportunité quand même de pas être agressif, je pense. Chien avec eux. Enfin, en tissu. Qu'est-ce que tu fais là? Victoire! Ok. Complètement loupé mon contre. Ok. Tout ça pour un petit bâton. Allons-y, vermine.
finiras par t'essouffler. Hé, toi. What the... Ok, ça m'a fait retomber. Merci. Ne traînons pas ici. Tu sais te battre ? Oh oui, crois-moi. Tu tapes fort, quand je pense que ces Malakas ont réussi à me surprendre. Ithac est un endroit dangereux pour ceux qui se promènent seuls. Et pourtant, tu es toute seule. Soit, je ne peux rien contre tout un campement de bandits. Tu veux bien m'aider à aller au palais d'Ulysse ? Je te paierai. Je vais t'aider à te rendre au palais. Alors la chance me sourit. Comment t'appelles-tu ? Cassandra. Moi, Odessa. En l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée. Nous devrions nous mettre en route vers le palais. Il n'y a que des ruines. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose ? Mes parents m'ont appelé Odessa, en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Et c'est le cas ? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te paierai là-bas. Ok, mais t'as fumé trop de shit, madame, c'est pour ça ? Ça va. On va voir s'il n'y avait pas un petit coffre. Ça, c'est pas ton bâton, c'est le mien. Tiens, voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi ? Tu plaisantes ? Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Charybde et Scylla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et a fait de lui une légende. À prétendre que rien ne pourrait t'arrêter. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. D'accord, tu es moche. Je connais d'autres adjectifs qui t'iraient bien. J'ai hâte de les entendre. Que dirais-tu de belle ? Ça te va encore mieux. Les autres viendront plus tard. J'espère que plus tard, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu en dis ? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer ? Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait ? Je suis venue jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi.
était assez barré avec mon bateau. Hein. Incroyable. Alors attends, il y a un petit coffre là. Ouais. Un petit trait. Et pas du cul celle-là. Commander ça. Achetez vos poésies, ils sont jolis les pauvres. Ah, toujours pas. Cassandra, de bonnes nouvelles ? Comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus ? Après tout ce que j'ai fait ? Après tous ces efforts ? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Mystios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Mystios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un... Ah oui, merde, putain, les piles. J'ai oublié. Merdasse. Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse ? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Les généraux sont aussi des mortels. Bien. Alors, qu'en dis-tu ? J'accepte. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas ? Si j'avais un bateau, nous n'aurions pas cette conversation. Dommage. J'ai peur que ce ne soit un peu loin à la nage, même pour toi. J'en trouverai un. Bien. J'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça ? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. Je ne te décevrai pas. Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Bon, les noms à coucher dehors, quoi.
Oh, le voile de Pénélope, ça a l'air d'être une capuche sacrément stylée. Il me faut un bateau. Je devrais aller voir celui qui en construit. C'est pas bête, ouais. Voilà, attends déjà. Oh, niveau 7. Et nice, salut. Ah, mais je suis passé niveau 6. C'est bon, ça. Et j'en ai pas d'armes niveau 6. Ah si, j'ai le bâton. Pétail. La seule, hein, de toute façon. Ouais. Après, c'est du niveau 7. Alors, arc niveau 6. Bim. Nouvelle tablette. Ah ah. Pas mal, pas mal. Tout ça, ok. Et au niveau des quêtes. Bon, ça, c'est mort. Hein. Et là, Faudrait qu'elle s'en une tâche majeure, tu es un général, mais la cible se trouve au milieu risque qui imposait à Canada de trouver un bateau. Bah oui. Une proposition trop belle pour être vraie, en échange d'une belle somme, empêcher le loup de Sparte de vaincre les Athéniens en Mégaris. En revanche, il n'a pas précisé ses raisons. Ouais. Ok. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc là. Et aptitude. Aptitude. Repoussant une cible, infligeant un dégât, la cible n'est pas tuée, peut être ensuite recrutée. Parce que ça, je sais pas si en plein combat ça serait efficace ou pas, quoi. Je me dis, si à un moment donné j'en croise qui ont des boucliers, ça, peut-être qu'un grand coup de latte comme ça dans le bobo. Ça peut peut-être être cool. Et sinon, je fous de la... Bon, le niveau dégâts, je pense pour l'instant, poison, c'est pas urgent. Putain, ouais, bah après, c'est vrai qu'on a plein de trucs. Hein. Vivre permet de continuer la lutte. Reconstitution de 25% de la santé max. Ah, c'est une aptitude. Tu t'en sers pour te heal, en fait. D'accord. Oui, bah ça paraît très bien, effectivement. Maître d'armes, nettoyage et affûtage offre des bénéfices. Augmentation des dégâts de guerrier de 20%. Ah oui, c'est vrai qu'à la forge, il y avait cette histoire de fallait nettoyer tes armes et tout. Oh là là. Il s'était pris la tête, quand même. Pour pas grand-chose. Donc, percer de bouclier. Ah, sinon, il y a un truc directement pour les boucliers, là. Perce un petit bouclier, un petit bouclier. Et inflige 150% de dégâts de guerrier. Et voir le move. Ah ouais, ça lui enlève, carrément. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, effectivement, ouais, envoyer la lance de l'ennemi sur un ennemi distant. Et lui inflige immédiatement 100% dégâts d'assassin. Ah oui, à se TP dessus, en fait. C'est complètement cheaté, ça. Ça a l'air d'être bien, mais ça m'a l'air bien cheaté, quand même. Oui, bon, ça, c'est tu maîtrises le poison. Ensuite, c'est quoi? Évanouissement. Ouais, d'accord. Ici, on a quoi? Tir dévastateur. D'une flèche assoiffée de sang, infligé 290%. Putain. Voir jusqu'au double si elle est entièrement chargée. What the fuck? Le double de 290? C'est complètement craqué. Faut pas 10 ans pour charger un tir non plus, quoi. Les flèches incendiaires est toxique et portée à 150%. Possibilité d'employer des flèches spéciales.
Bon, ça a l'air trop bien, ça. Du 4ème degré, simulé, on voit des flèches infligeant 150% de dégâts de chasseurs à chacun. Flèche incapacitante pour assommer des cibles au lieu de les tuer. Fabrication de ces flèches dans l'inventaire. Ah, en vrai, ça peut être bien aussi, hein, pour jouer le côté assassin. Mais bon, je vais prendre le heal. Le heal, on va le mettre sur 1. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'étais quand même bien dans la merde. Juste parce que je pouvais pas me heal. Ok. Bon. Bah, ça marche. Prochain coup, on ira... Bon, ça va pas trop mal avec. Et lui laisser. Le prochain coup, on ira voir pour ce bateau là. Tranquillement. Et voilà. Et ben, oh putain, ouais, il est 1h08. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.